On passe, on a déjà fait le boulon 1, on va faire le boulon 2, et puis en fait, ce qu'on appelle un serrage angulaire. Le serrage angulaire se fait avec une clé angulaire. Là, la passe, elle doit être à 90 degrés, donc on va se régler en contrainte pour une passe à 90 degrés. Vous allez voir, c'est assez phénoménal quand même de faire ça. Donc on met en tension, on part à 90 degrés, et voilà. En fait, il y a un disque qui tourne et qui m'amène à 90 degrés. Le serrage de la culasse. Voilà pour le boulon numéro 2. On passe au 3, pareil. On se replace, on se trouve une baguette d'arrêt pour se bloquer et la vis en question. Voilà, ici, je me mets mon 90 degrés où je peux. Donc, voilà, je suis à 0. Je me mets à 0, je me mets en contrainte, toujours, le plus possible. Il faut quand même, pour serrer à 90 degrés une pièce pareille, il faut quand même y mettre du sien et pousser un peu fort. Donc voilà, on y va en douceur et on fait un serrage à 90 degrés. Voilà, bon, je vais arrêter là la démonstration vidéo, mais tous les boulons, les uns derrière les autres, vont être serrés à 90 degrés. Voilà.